On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau haul Temu. J'ai commandé des chaussons, des bijoux et des petites choses pour la sublimation. Et j'ai reçu ça aujourd'hui. Avec les ponts, tout ça du mois de mai, c'est un peu décalé quand même, je trouve, par rapport à l'habitude. C'était beaucoup plus long. Enfin, beaucoup plus long. Voilà, ça met 15 jours, quand même plus 3 mois. Et on va découvrir ça. Tout de suite, et après j'ai deux petites choses de chez Action, mais je crois que je vais commencer par chez Action. J'ai voulu tester ça, des crayons aquarelles en fait. Voilà, on va ouvrir ensemble. Alors je suis très nulle en aquarelle, mais j'aime bien les crayons aquarelles. On n'a plus besoin de ça, donc je peux déchirer. Donc ça, c'est les crayons avec un pinceau. Donc je testerai. Les seuls que j'ai déjà testés et que j'ai, c'est les crayons, c'est ceux de chez Stampin' Up. J'ai ça. Et j'ai pris un petit cadre. Parce que j'aimerais faire un petit cadre. Voilà. Je vais customiser hein, en fait l'intérieur. Voilà, j'ai pris un petit cadre. Et dit, voilà, pas cher, 1 € et quelques. J'ai pas le ticket, je suis désolée. Je vais mettre ça de côté. Et on va ouvrir Temu. On va commencer par ça. Je m'en rappelle, je sais plus. Ah, c'est le gobelet, bon, c'est pas grave. C'est des gobelets en fait, enfin, c'est des verres à sublimation, mais en verre comme ça, avec les petits goupillons, les petites pailles. Et j'en avais déjà acheté, et c'était vraiment pas mal. Et donc là, c'est par 4. Et j'avais, il y a même des petits sacs pour les offrir. Et j'en avais offert, et franchement, c'était, je crois que c'était pas mal. Quand ils sont pas trop chers, parce que des fois je les trouve un petit peu chers. Voilà. Donc j'avais me rappelé plus que j'avais mis dans mon panier, parce que j'avais hésité plusieurs fois. J'avais besoin de chaussons. Donc, du coup j'ai pris les chaussons chez Temu. À l'odeur du sac. Courage. Voilà, des petits chaussons tout sympas. C'est le style que moi je prends avec une semelle comme ça. Un peu en plastique. Un peu moelleux, un peu épais. Hop. Donc on verra ce que c'est la donne. Parce que les miens ont craqué en dessous. À ce niveau-là. Après, ils avaient déjà leur temps. Une paire de boucles d'oreilles pour le printemps-été. Ah, elles sont vraiment magnifique. Une paire de boucles d'oreilles. Je les trouve vraiment superbes. Elles sont super belles. J'ai trouvé ceci. C'est pour mettre mes petits outils. Est-ce qu'ils sont en haut? Est-ce que j'en ai ici pour voir si ça fonctionne? Tac, 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 tac. Non, quand même, je vais aller bien ici. Bon, j'en ai un ici. Les autres sont en haut. Et en fait, c'est pour ranger, voilà, les outils en fait que moi j'utilise pour les bijoux, les choses comme ça. Et j'en avais, je crois, j'ai 4 pinces en tout. Donc du coup, j'ai pris, voilà, j'ai pris ça. Après, mon mari a pu me le faire, mais bon, au prix où ça coûte. On met ça dessus. Cette idée était sympathique. Ah, une deuxième paire de boucles d'oreilles. Ah oui, j'imaginais moins grosse que ça. Je pensais qu'elle était de la même taille. Pas du tout. Pas
Pas du tout. Et je crois que c'était pas mal ça pour voilà, pour l'été. Par contre, c'est des grosses, grosses, grosses créoles. Parce que ça, c'est la taille que je mets. Là, c'est bien mes grands. Voir si je m'y fais. Moi, ouais, c'est pas mal. Et alors, par contre, les couleurs sont super sympas. Je vais pas vous ouvrir, c'est des tote bags. C'est des tote bags qui doivent faire. Je sais pas ma grande règle, non. 30. 30 sur 35. Voilà. Et j'ai pris un lot parce que j'en ai plus, je les ai tous faits. Après, pour la sublimation, j'ai pris un lot comme ça de porte-clés. J'ai fait des boucles d'oreilles, mais j'ai jamais fait de porte-clés. J'ai acheté ces petites règles comme ça. En fait, c'était un lot, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la petite. Je trouve ça super pratique. Ma copine Nat, des crèmes dans mon cas, elle en a une dans sa trousse. Et souvent, je lui emprunte, je pique. Et je trouve ça super pratique. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait le lot, celle-ci qu'elle a dans sa trousse, je mets dans la trousse, et franchement je trouve ça vraiment pratique en métal. En fait, c'est surtout ça, incassable. Vous avez vu, j'ai déjà mis dans ma trousse, et voilà, c'était l'eau de 3. Il y avait 20 cm, 30 cm et 15 cm, et c'était 3 ensemble. Pour la sublimation, j'ai repris des petites pochettes comme ça, petites pochettes maquillage. Voilà, donc là il y a la petite anse qui est avec en écru. Là, il reste deux petites choses. Si je m'abuse, on est bon. Ok. J'ai repris un lot de boucles d'oreilles qui était vraiment bien chez eux. Donc étoiles, ronds, voilà, avec les petits sachets et tout, ovales. Et voilà, parce que j'en ai plus aucune. Donc je ne peux, voilà, même si on me demande ou si j'ai une idée, j'en ai plus aucune. Donc j'ai repris un lot. Il est marqué 250 pièces, mais en fait, il y a les sachets, il y a les petits crafts, les petites feuilles pour les offrir, il y a les deux attaches qui vont avec, les petites attaches qui vont derrière pour coincer, donc voilà. Donc, je pense qu'il va y avoir 50 boucles, et après, des petites boucles d'oreilles dorées comme ça. Voilà, c'est des boucles, vous voyez, ça fait un peu comme si elles étaient aplaties. Voilà. Comme si on les avait pris comme la pâte à modeler là. Elles sont vraiment super jolies aussi. Donc voilà pour mon petit haul. Je sais que j'attends encore un. Parce que c'est arrivé en deux sacs, c'est pour ça que je ne savais pas trop ce qu'il y avait dedans. J'ai eu le deuxième arrive, je crois, dans 3-4 jours. Il y avait 3-4 jours d'écart. Parce qu'il y en a qui pouvaient venir que. Enfin, l'un qui était Mondial Relais, l'autre c'était la poste, elle pouvait venir que par la poste. Et les articles, c'est comme ça, je ne sais pas. Donc ça arrive en deux fois. Et si je peux, je vous rajouterai 2-3 articles que je peux vous montrer. Parce que je ne pourrais pas vous montrer plus, parce qu'il y en a deux où c'est des cadeaux. Donc je ne pourrais pas vous montrer en vidéo. Mais voilà, pour ma petite commande, c'est surtout voilà, pour moi, surtout pour loisirs créatifs. Et les bijoux fantasy. Voilà, moi, c'est ce que je préfère chez Temu. La sublimation, c'est moins cher. C'est assez rapide quand même. Et souvent, enfin, j'ai jamais été déçue. Les verres, j'ai pas été déçue. Les mugs, j'ai pas été déçue. Les gourdes, j'ai pas été déçue. Les boucles d'oreilles, j'ai pas été déçue. Les premiers tote bags que j'avais achetés, j'étais pas déçue. Les petites choses, j'étais pas déçue. Donc, je pense que ça devrait le faire. Voilà pour ma petite vidéo. Moi, je vous dis à très vite. Allez, tchuss!